Je me pose beaucoup de questions sur le but principal des humains, en fait. À l'échelle du siècle, quand on voit les changements qu'a pu connaître la planète, le réchauffement climatique, la forêt amazonienne qui disparaît. C'est une période de transition. Pour moi, il faut que l'humanité elle prenne du recul et qu'elle repense ses valeurs parce que la planète est en train de se bouleverser, de dire un peu stop. Est-ce que c'est censé de dépenser plus que l'on a par rapport à la capacité que la planète peut nous donner? Quand on dit transition, je pense que c'est quelque chose qu'assez doux pour éviter la peur du grand changement. Et je pense qu'en fait, ouais, c'est une vraie, véritable transformation. Quelque part, comme si la planète nous envoyait un message pour nous dire là, il est grand temps que vous puissiez prendre le temps de vous arrêter, de se préoccuper du voisin, de regarder ce qu'il y a devant, d'observer ce qui se passe plus généralement autour de vous. Nous sommes, en tant qu'humanité, je pense, dans la période convoquée à réinventer notre rapport au monde, je crois. Je suis convaincue que des changements s'imposeront à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il faut revenir aux besoins essentiels, c'est-à-dire se nourrir, être en bonne santé. Les enjeux de notre société aujourd'hui, ils sont alimentaires, je pense, le premier pilier. Ils sont énergétiques. Ils sont aussi d'aménagement du territoire. On dit protéger l'environnement, c'est important. Mais aussi, il faut protéger aussi l'humain. La crise sanitaire, elle vient amplifier des problématiques sur lesquelles on est obligé de se poser en tant que citoyen et en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, on est dans un ère où il va falloir qu'on puisse s'adapter de plus en plus. Et donc, si on fait pas, on va dire, ce qu'il faut au bon moment, ça risque de s'empirer. J'avais l'impression qu'on s'était englué dans une forme de « on consomme ». On consomme tout, on consomme à la fois dans les achats, dans tout ce qu'on fait, et on consomme aussi notre planète, mais complètement, quoi. C'est-à-dire qu'on consomme toute son énergie, on consomme la nature, on consomme sans se soucier de ce que sera demain. C'est sûr qu'on peut pas continuer là, chaque jour on y pense, nous, par le tri des déchets, quoi. On peut pas continuer à tout jeter dans des bennes et puis incinérer, enfouir. Alors, moi, je trouve que c'est une période à la fois difficile et en même temps, c'est comme si elle arrivait, il était temps qu'elle arrive, en fait, cette période. Parce que je trouve qu'elle nous amène à remettre, à rebattre toutes les cartes, en fait. Moi, je trouve que c'est une période très intéressante. Très intéressante parce que on remet en cause plein de choses. Plein de choses qui vont dans le sens de l'humain. Et que l'humain devient le centre de toutes ces évolutions. Je crois à la capacité des gens à rebondir et à aller vers le mieux, quoi. On a, même si on est sur où il y a plein de signaux qui peuvent être alarmants, au niveau écologique, environnement, baisse de la biodiversité et compagnie. Finalement, je me dis que rien n'est perdu et que on a chacun nos rôles à jouer là-dessus. Pouvoir essayer de continuer à éveiller les consciences et de peut-être apporter des solutions et accompagner les gens, en fait. Parce que on ne peut pas... Alors autant on peut prendre conscience, mais des fois on ne sait pas forcément comment faire. La transition, pour moi, c'est comment est-ce qu'on réinvente une manière de vivre ensemble plus équilibrée, dans lequel chacun s'y retrouve, chacun s'épanouit et qui soit plus vertueux et plus durable, en fait. C'est répondre aux enjeux des changements qui vont s'imposer à nous, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, et apprendre à faire ensemble différemment pour qu'on puisse s'adapter et peut-être choisir une voie qui nous ressemble, en fait, dans laquelle on se sentira plus à l'aise demain.
on a la chance dans, sur notre territoire, le pays de Pouzauges globalement, d'avoir encore du bocage, encore une population rurale, une densité, un tissu économique et écologique qui sont cohérents. Le fait de prendre conscience de tout cet environnement aujourd'hui qui bouge énormément va nous aider justement à peut-être changer de métier. Ça, c'est pas totalement impossible. Alors, évidemment, toute proportion gardée, puisque changer de métier, c'est peut-être facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Mais par exemple, nous, dans le domaine de la construction, aujourd'hui, on fait du béton, mais demain, on peut faire totalement autre chose. Et puis, ça demande du temps. Et puis, petit à petit, on va soit sur l'économie bas carbone, demain, l'économie circulaire. Du coup, faire ensemble, parce qu'on le fait à plusieurs, de pouvoir aller démarcher, en parler, véhiculer, on va dire, une autre pratique de consommation, en fait. Ouais. On consomme différemment. Ma génération et la génération qui va arriver vont être plutôt dans le recyclage. Et donner une deuxième, une troisième vie aux objets, oui. Actuellement, non seulement c'est ce qui est en train de se produire, mais c'est qu'en plus c'est un effet de mode. Donc le phénomène s'accélère en fait. Une partie de notre développement va être dans la façon de répondre à des attentes beaucoup plus de simplicité, de naturalité de la part pour les consommateurs, des attentes écologiques, ça c'est clair, autour de comment finalement demain on revoit la façon d'emballer nos produits. Et puis après, pour revenir au territoire, on essaie de développer des initiatives plus locales. On a besoin de solidarité, ça c'est la base. Ce que moi je vois sur le marché, j'ai des clients qui viennent pas que pour acheter des produits locaux, ils recherchent aussi un lien social, que les humains sont là, quoi, donc ils ont besoin d'interagir entre eux, c'est super important. C'est justement de mettre l'humain au cœur, parce que c'est l'humain qui va faire bouger les choses. Et l'humain, cette relation d'ailleurs de l'humain et du vivant, qui est essentielle, parce que l'humain parfois même il oublie qu'il est vivant. Le territoire de Pouzauges fait partie des territoires qui ont pris le bon chemin et qui sont partis dans cette démarche, parce qu'on a aussi un territoire très diversifié. On part des vallées de la Seine-Nantaise où c'est des prairies, jusque sur les collines de Pouzauges où il y a énormément de bois. Travailler la terre et de récolter ce que l'on a semé et d'aller jusqu'à nourrir en fait les gens du territoire. Ces démarches collectives peuvent avoir pour but d'entraîner un plus grand monde derrière. Je pense que ça a un sens. Ça. Et donc le groupe Énergie Citoyenne qui va, j'espère, se créer, va intervenir sur la maîtrise de l'énergie, sur la production d'énergie locale, mais après on ne s'est pas interdit d'autres champs d'action, de façon à amener un plus grand nombre de la population du pays de Pouzauges à évoluer dans leur façon de faire. C'est vrai que de partir de la petite graine jusqu'à pouvoir les proposer à la vente à mes clients et qu'ils me disent « j'ai jamais mangé de si bons légumes », voilà, ça c'est vraiment une victoire pour moi. Et c'est vrai qu'à l'image de ce qu'on vit nous sur la ferme, en bio depuis 25 ans maintenant, avec une pratique polyculture-élevage importante, on voit plutôt des îlots de biodiversité qui reviennent et la vie qui revient. Donc finalement, je me dis que rien n'est écrit et puis tout peut se reconstruire, quoi. Finalement, les éleveurs du bocage ou de la communauté de communes viendraient fournir en légumes bio Fleury-Michon. Et donc ça existe depuis 5 ans et ça marche plutôt bien. Et ça marche tellement bien que finalement, au départ, c'était une idée plutôt pour répondre à des attentes de Fleury-Michon. Et aujourd'hui, ça s'est élargi au territoire, puisque le champ des possibles fournit aussi des cantines, fournit aussi des marchés en direct. Et donc, ça recrée en fait une économie locale qui n'existait pas. Et donc, c'est ça aussi, je pense, un peu l'avenir, c'est de repenser et les produits, mais aussi les systèmes de distribution et de commercialisation. Et puis recréer ce lien intergénérationnel qui s'est perdu,
là c'est sociétal, mais c'est vrai que moi, ma génération, il y avait souvent les parents, les grands-parents à côté. Il y avait le grand-père qui apprenait au petit-fils un petit peu à jardiner ou à chapuser, comme on dit dans le bocage, à travailler le bois ou à faire des petites choses. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et l'outil en main remplace ça et recrée un lien entre ces papys de 60 à 75 ans et les enfants de 10-14 ans. On exerce une activité économique, mais dans le respect de l'environnement et dans le respect de l'homme aussi, hein, de l'humain. Et ça, c'est deux priorités, quoi. Sinon, en fait, ça ne sert à rien d'exercer une activité économique pour détruire la planète, détruire les hommes. Voilà, donc c'est vraiment notre cheval de bataille. C'est depuis 14 ans, on essaye d'avancer dans ce sens-là. Des fois, on fait bien, des fois, on fait peut-être moins bien, pas comme il faut, mais voilà, c'est l'optique de l'entreprise, quoi. C'est un territoire qui a ce soubassement, qui a cette ressource, et qui donc peut se projeter peut-être plus facilement dans des pratiques nouvelles sur les modes de vie, parce que ça requiert précisément des capacités de coopération. Moi, je suis très fière des acteurs et, je dirais, des habitants de ce territoire, parce que finalement, on est un peu pionniers, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, parce que on est dans les transitions, mais elles touchent l'écologie, elles touchent l'économie, elles touchent la société. Et en fait, toutes ces initiatives collectives, eh ben, elles permettent à ce qu'on soit plus résilients.